Hyrule Warriors, Zenkai Madewa. そして冒険が続く。Eh ben écoutez, je pense qu'on est au dernier chapitre, hein. En même temps c'est marqué ultime chapitre. Je sais pas vous, mais moi je suis un petit peu émue si c'est le dernier chapitre pour terminer l'histoire de Hyrule Warriors. J'ai pas envie que l'aventure se termine là. Personnellement, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça continue éventuellement plus, hein, qui sait, hein, peut-être qu'il y aura un autre truc après, mais bon, il y a marqué ultime chapitre en même temps, donc je pense qu'on est bel et bien à la fin. Hein, le libérateur du triangle sacré. Donc je pense qu'on va enfin poutrer Ganondorf comme il se doit. Et il me semblait que j'avais des petits trucs à vous dire. Oui, je pars bientôt au Japon. Hein, la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, je ne serai pas là, je serai au pays du soleil levant, donc pour profiter un petit peu du Japon, des cerisiers en fleurs, revoir tous mes amis, tout ça. Donc il n'y aura pas de vidéo qui sera postée pendant ce moment-là. Par contre, je vais m'arranger pour essayer de faire un maximum de vidéos et de photos du Japon et vous faire je crois que c'est ce qu'on appelle un vlog sur mon petit voyage. Peut-être que ça vous intéressera, hein, on sait jamais. Voilà, j'ai très très hâte d'y être. Ensuite, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ah oui, j'ai eu quelques mises à jour. Niveau des mises à jour, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu quelques costumes, je crois, parce que j'ai eu le DLC Majora's Mask. Majora's Mask d'ailleurs qui est sorti sur 3DS le 13 février, que j'ai commandé d'ailleurs en version collector. Donc je suis bien contente de l'avoir, hein. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai sur les Zelda. Donc je pourrai éventuellement aussi vous montrer Majora's Mask et les petits objets qui étaient mis dans la version collector. Du coup vous voyez Link est niveau 65. Il s'est passé un petit peu de temps entre la dernière vidéo que vous avez pu voir qui était la 19 et celle-ci qui est la numéro 20. Je me suis énormément entraînée parce que je voulais essayer d'obtenir le plus de capacités possible pour Link, Zelda et Sheik. Donc Link est au niveau 65, ce qui je pense est un excellent niveau pour le dernier monde. J'espère que ça me permettra d'être assez à l'aise pour terminer. Impa niveau 30, Sheik est presque niveau 45, hein, je me suis bien amusée avec lui même si pour l'instant je ne peux pas le faire monter en capacité parce qu'il me manque des matériaux. Ensuite je crois qu'il y a mon chat qui arrive et qui va se pointer, je le savais. Faut toujours que t'arrives au bon moment toi. Tito, allez rentre. J'ai pas que ça à faire. Allez, rentre. Vite. Mets-toi. Hop. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester avec moi jouer à Link ou est-ce que tu veux sortir?
ai-je de toi? Je sais pas, il est sceptique, il est en train de renifler ma table. Il se dit la table est pas du tout au bon endroit, en même temps je l'ai un petit peu poussé. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Tito? Lana niveau 30, j'ai rien fait de particulier. Alors Zelda, bien que je l'ai pris assez souvent parce qu'elle avait une arme avec matériaux plus rares, ce que je pensais qu'elle allait m'aider à avoir des matériaux un peu plus spécial. Ah ben voilà, il est là. Maldito. Non, je peux pas le prendre sur moi, Nini. Je vais jouer à Link, je peux pas. Dis bonjour à la caméra, dis bonjour. Tito, non. Non. Ne fais pas cette tête-là, hein. Tu sais qu'entre Link et moi, c'est le grand amour et que quoi que je fasse, quoi que tu fasses, surtout, tu ne pourras pas le remplacer. Alors si tu veux, allonge-toi ici pendant que je joue. Hmm. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait d'apparition dans une des vidéos. Hmm. Pas sur moi, j'ai dit. Non, regarde, regarde, tu peux pas. Oh, il boude. Regardez-le. Hein? Tu boudes mon chat? Tu boudes? Mon tutu? Donc Zelda, oui, j'ai voulu la monter un petit peu avec les matériaux plus rares, tout ça, mais bon, pas trop. Ganondorf. Je peux encore l'augmenter, le seul problème c'est que je me dis si je l'augmente, est-ce que ça va pas me poser problème pour le dernier monde? On sait jamais. Donc j'ai préféré ne pas trop m'en occuper. Darunia niveau 25, Midona 25, Fée 25, Sia je l'ai monté au niveau 15, Volga 10, Isero 10. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais on a Midona sous sa forme adulte, si je puis dire, sa forme normale. Et vous l'avez sûrement remarqué en haut de l'écran, mais voilà, Link, le petit Link de Majora's Mask, hein, il est juste adorable quoi. Donc je l'ai bien monté lui aussi, niveau 20, et bon Tingle, je reste assez sceptique sur qu'est-ce que nous allons faire de cette espèce de lutin de 35 ans je crois, ou il a 30 ans, je sais plus quel âge il a. Enfin bref, du coup comme j'ai eu pas mal de nouveaux personnages, ce que je pourrais vous proposer c'est qu'il me semble qu'après ce monde là qui terminera l'aventure au niveau de l'histoire, il me reste un DLC à faire avec Sia, où il y a des mondes qui sont à débloquer avec elle. Donc bien sûr je les ferai hein, pour qu'on puisse voir un petit peu du côté de Sia ce qui s'est passé. Et ensuite je pense que je vous ferai une petite vidéo mixte avec la totalité des personnages de Hyrule Warriors pour que vous puissiez voir un petit peu leurs différentes attaques spéciales, enfin tous les gameplays qu'on peut avoir avec eux. Je pense que ça pourrait être sympa et j'essaierai de mettre également aussi les costumes que j'ai eu, que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. Un petit tout, mon nounou. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller voir vite fait, mais je crois que j'ai tout... Non, il me semble que j'ai tout fait hein. Alors, apothicaire, est-ce qu'on se prend quelque chose pour la dernière bataille? Faire plus de chaos peut-être pour faire légèrement plus de chaos. Élixir surpuissance. Ah, j'ai eu plein de nouveaux élixirs. Vachement chers et qui sont a priori vachement puissants aussi. Mais je pense qu'on n'aura pas l'occasion de les voir parce que c'est beaucoup trop cher. Donc je pense que je vais faire ça. Oh mon dieu, les tôles de monstres, j'en ai 500 et quelques. Bim 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 bim. Oui, voilà, c'est parfait. Et sans plus attendre, nous allons commencer. J'ai le cœur qui bat la chamade, les gens, je ne déconne pas. Link, c'est notre dernière mission ensemble. Enfin, façon de parler, hein, mais... Petit moment de silence. Recueillons-nous. Bon d'accord, j'arrête. Le libérateur du triangle sacré. Après le triomphe de Zelda dans le désert Gerudo, les troupes d'Impa parvinrent à localiser Ganondorf. Il avait pris le contrôle du château d'Hyrule et l'avait transformé à son image. Dans sa forteresse, il préparait un innommable rituel. Link, Zelda et tous leurs compagnons, venus des quatre coins du temps, se mirent en marche vers le château de Ganon, prêts à livrer la bataille finale. S'ils tombaient au combat, ils entraîneraient tout le royaume d'Hyrule avec eux dans leur chute. Tito m'a quitté.
Bref, il va se mettre sur mon gilet, sur la chaise à côté, enfin bref. Alors, donc quelque chose que nous connaissons, hein, Ganondorf qui s'empare du royaume d'Hyrule, enfin du château d'Hyrule et qui le transforme à son image, ça rappelle tout à fait Ocarina of Time, quand on passe 7 ans dans le coma entre guillemets et qu'on revient, tout est détruit et le château d'Hyrule s'appelle le château de Ganon. Oui, je te surveille, Tito. Donc du coup, on connaît ce scénario, on va dire. En ce qui concerne le rituel, je me demande ce que c'est. Alors, parce que la question que je me suis posée, c'est que Ganondorf a volé donc les trois morceaux de la Triforce, hein, la force, le courage et la sagesse. Il devrait être invincible, a priori. Celui qui a les trois fragments de la Triforce, il peut se voir exaucer un vœu, et a priori, il est imbattable. Alors, est-ce que... même le fait d'avoir les trois fragments de la Triforce sans un rituel particulier ne te permettrait pas donc d'être surpuissant. Peut-être. Parce qu'a priori, là, si on affronte Ganondorf avec la Triforce, on se fait poutrer. Enfin, Link, il a plus la Triforce du courage, Zelda, elle a plus la Triforce de la sagesse, et Nana, elle a plus la Triforce de la force. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir se dépatouiller avec tout ça. Bref, la carte. Donc le camp adverse est tout à gauche. Nous, on est bien vers la droite, donc je pense que je vais tout de suite me diriger en bas à droite pour prendre le premier fort. Et éventuellement prendre celui qui est tout de suite à gauche. Alors, ce qui m'inquiète, c'est les têtes de mort qu'on peut voir. Hein. Il y en a une en bas à gauche et une en haut à gauche de la carte. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je ne me souviens même pas si dans d'autres... Ah si ! Les espèces de boss, Manhandla, Goma et qui dit que j'ai oublié, Dodongo. Donc je pense que ça sera peut-être des grosses créatures à poutrer du coup. Et bah écoutez, on va foncer dans le tas comme je sais si bien le faire. Hein. Non, pas choix du scénario, qu'est-ce que je fais moi? Comment c'est? Oh la vache. C'est très moche Ganondorf, il faut revoir tes goûts en la matière. Hein. Je ferai pas une fête chez toi. Alors, Ganondorf a pris possession du château, nous le vaincrons pour amener la lumière en ce monde. Mais bien sûr, il reste encore du temps avant l'éveil complet. Attaquez-les, Pyrodactylus. Donc c'est bien ça, il attend l'éveil complet de la Triforce, sinon... Mon dieu, ne me dites pas qu'il va y avoir du temps. Il est dangereux d'affronter deux dragons à la fois, éliminez-les avant qu'ils ne se rejoignent. Ok. Ah oui, mon dieu, je suis en train de reconnaître le terrain. Oui, d'accord, c'est la plaine d'Hyrule. Oh, fâche de con. Il est où ce con? Il est où? Reviens, connard. Wow, faux. Allez. Bien joué, Link. Je t'aime. Allez, poutre-moi cette espèce. Putain, mais il y a des monstres de partout. Shit! Merde! Un invocateur rejoint le champ de bataille, il manquerait plus que ça. Où tu vas? Je sais pas ce que tu fais si t'as le fausse derrière moi, mais t'inquiète pas, hein, ton tour va venir. Allez, Link! Allez, mon amour, vas-y! Badass! Oh, qu'est-ce qu'il est puissant! Ah non, ça va! Oh, j'ai eu peur! Wow! On se calme! Attendez, laissez-moi juste prendre le fort. Pas encore, je n'ai pas assez de force pour m'éveiller. Putain, Ganondorf! Invocation? Où est-ce qu'il y a une invocation? Il est où ce... Ah putain, il est là-bas ce con. Bon, écoutez, je vais d'abord faire chaque chose en son temps. Je vais d'abord aller essayer de m'occuper du dernier Pyrodactylus et après je vais revenir. Je crois que c'est l'endroit où le roi Dodongo avait détruit. De quoi tu nous parles, Darina? Oh mais vous vous foutez de ma gueule, moi, hein? Comment je fais tout en même temps, là? Laissez-moi d'abord m'occuper du dragon.
Allez, c'est parti. Vas-y, Link. My love, you are the fucking best. Yes. Bien joué. Parfait. Ok. Alors, protégez les missiles teigneux et détruisez les murs. Je suis prêt, je vais bientôt pouvoir m'éveiller complètement. Ta gueule. Je vais te poutrer avant que ça n'arrive, tu entends? J'arrive, je suis là. Me mettez pas la pression. Vous vous croyez où là? Dégagez. Je t'ai dit de dégager. Casse-toi. Bim. Tiens, ça c'est fait. Ramasse. Ça suffit. Dégagez du missile teigneux. Bim. Ça c'est fait. Avance. Ok. Avance, petit missile teigneux. Là, il n'y a plus beaucoup de monde, donc je devrais pouvoir te libérer la place. On va prendre ce fort ici. Wow. Stop, ta gueule. Pardon. Tais-toi tout court. Ok, toi tu m'as remis alors que je veux pas. Voilà. Oui, merci à Captain Kaizo qui m'a réexpliqué comment en anglais cette putain de vue trop bizarre. Il faut appuyer sur la flèche du bas en fait. Et du coup, des fois, je pense qu'en appuyant sur tous les boutons, j'appuie sans faire exprès dessus. Et du coup, je me retrouve avec une vue de merde. Laissez-moi, je finis ce gars-là. Allez, ramasse. Oh, ça, c'est bon, ça. Alors. J'arrive. Et bim, dégagé. Yahoo! Bim! Eh ben, je sais pas comment je fais, mais je gagne des niveaux à tout bas. Il avance. On dirait que c'est bon. Hey! De rien! Allez, dégage, toi! Alors. Ça va exploser ici, hein? Ouais, d'accord. Ok. Boss du fort. Lana! J'arrive. Je suis là. Normalement, Missile Teigneux va se débrouiller tout seul. Où est-ce que je pensais? Link, t'as fait un truc dans le vent. Prenons ce fort. Parfait. Pour l'instant, on se débrouille bien. Par contre, quant à savoir si ça va suffire pour arrêter Ganondorf à temps, ça, j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que c'était? Lana, t'as encore besoin d'aide ou ça va? Bon, Lana, ça devrait aller. Alors toi, par contre, je veux pas que tu me tues mes compagnons, on dégage. Par là-bas. Bah écoutez les gars, vous êtes bien mignons mais... Je fais un peu ce que je peux. Allez Link, bim. J'aime bien quand ils sont coincés dans un mur du coup parce qu'ils peuvent plus rien faire. Youhou! Alors je sais pas si c'est une nouvelle, plus ou moins une nouvelle capacité, mais quand je fais une esquive et que j'avance avec le stick, Link se met à courir tout de suite, ce qui est beaucoup plus rapide, parce que le temps qu'il se remette à avancer, la véritable puissance est enfin éveillée, plus personne... Oh putain. Oh non, pitié, tout n'est pas ça, non. Oh non. Oh Ganondorf, non. Ah non, je vais me débarrasser une bonne fois pour toutes.
Alors, est-ce qu'il y a un moyen, s'il vous plaît, qu'on puisse éventuellement ne pas se faire poutrer par Ganondorf? Wouhou! Parce que là, écoutez-moi tous. Merde, j'ai pas écouté. Non. Oh putain, ça lui fait rien. Ça ne lui fait rien du tout. Il est beaucoup plus puissant qu'avant. Non, sans déconner! Oh shit! Il est dangereux de défier Ganondorf maintenant. Sans déconner! Wow, ça suffit. L'aide du château est affaiblie. Entrez par là et prenez le contrôle du château. Ok. Ok. Ouh putain. C'est une très mauvaise idée, Darunia. Darunia! Oh! Ok, on se dépêche. Je fais ce que je peux, les gars. Cette vue de merde! Excusez-moi. Il faut que je me dépêche, sinon Darunia va avoir des ennuis. Allez, Link! Putain, Darunia! Merde! Tanoka. Qu'est-ce que ça a fait? Ok. Ganondorf, c'est la fin pour toi. Ok. Impa! J'arrive! Attends-moi, tout va bien, je suis là. Ganondorf, t'approche pas d'elle. Eh merde! Qu'est-ce qu'il s'appelle? Faire un truc dans le vent! En même temps, il y a trop de monde! Je sais plus où donner de la tête, fatu de con! Allez, Ganondorf! Il est temps pour toi de retourner d'où tu viens! Te protège pas, espèce de... Ouh putain, dégage. Link. Wow. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc de badass. Oh shit. Dommage que ça n'attaque pas aussi tes ennemis. Tes compères, j'ai envie de dire. Allez, c'est fini pour toi, Ganondorf. Reste calme. Il est trop tard, j'ai oublié ma véritable puissance. Oh non, Link. Oh, y'a Tanoka. Link, fais attention, ça s'embroussille. Link. Oh non, il va pas se transformer. Oh non, t'es déjà assez moche comme ça, non. Oh putain. Bien. Link, on est dans la merde, mon amour. Ok, casse-toi deux secondes. Il faut qu'on réfléchisse, là. N'ayez pas peur, elle est mignonne, elle. Wow. Qu'est-ce qu'il fait?
Wow. Oh shit. D'accord. Ok. On se calme. I know I can fucking do it. Tout va bien. Putain, ça lui fait que dalle. De ça, ça fait mal. Wow. Ouais, j'essaye de chercher Zelda. Il a plus de queue. Ça, ça fait rien. Ok. Réfléchis. Ouf. Que faire? Il a plus de queue, donc je ne peux plus utiliser mon... Yes! J'ai trouvé! Ok. On se calme. Tout va très bien. Tout va putain de pas bien du tout. Yes! Génial! Parfait. Ok. Alors il reste toujours quand il fait ça que je ne sais pas trop quoi faire. Lana, tout va bien. Alors, réfléchis. Lana! Mais ça va, je viens de t'aider, t'es comme quoi. Alors, on a tout fait. Le boomerang. Oh putain. Ganondorf, tu m'énerves. Lana! Ok. Et maintenant? Je crois que j'ai pratiquement utilisé la totalité de mes armes. Boomerang. Les bombes! Je n'ai pas encore utilisé les bombes. Alors, est-ce que c'est quand il fait ça qu'il faut jouer en équipe? Yes! Ok! Je te confie des flèches de lumière, certains pour infliger le coup de garras à Ganondorf. Ouh, je sais pas ce qui s'est passé. C'est bon? Oh putain, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, au secours. Leur utilisation est illimitée. Alors, les forces de vos compagnons survivants résident dans les flèches de lumière. Plus ces forces sont grandes, plus vous pourrez arrêter solidement l'avancée de Ganondorf. Ok. Où est-ce qu'il est? Wow! Attends. Ouf! Putain, à chaque fois je me rate. Hein. Cours, Link! Vas-y, Link!
Bien joué, mon beau. Yata. Je dois bien l'admettre. Ouais, admets-le. Admets-le qu'on est les meilleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Passer sur Vanguard, nous devons combattre jusqu'à la fin. Putain. J'aurais peut-être pas dû faire ce que je suis en train de faire. Alors, distress, distress, distress. Je fais ce que je peux, Zelda. Non! Putain de fuck you! Où est-ce qu'il est? Là-bas. Terminé Ganondorf. Passé. Putain, il a tout détruit ce con. Oh non. Tout le monde est parti. Il ne reste plus qu'à replacer l'épée de légende dans son socle et tout sera enfin fini. Mais ce n'est pas à moi que revient cette tâche. La paix d'Hyrule repose entre vos mains à tous les deux. Au revoir, Link. Link. Allez, vas-y. Vous regardez et faire des hochements de tête comme ça. Non, c'est trop vous demander. Ah, je vous hais. Je blaguais, je jouais pas en fait. On a fini. Ça y est, on a fini Hyrule Warriors. Voilà, voilà, voilà les gens. Ah bah écoutez, j'espère qu'avoir vécu cette aventure avec moi vous aura plu en tout cas. Hein. Alors, pendant qu'il y a le générique, écoutez, on va essayer de faire un petit récapitulatif de ce que je pense du jeu. Alors, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout fan du système des Dynasty Warriors qui consiste à poutrer un nombre incalculable d'ennemis pour avancer. Mais avoir mis ça dans l'univers de Zelda, ça m'a tout de suite attiré, ce qui m'a donc incité à acheter le jeu. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer ce jeu Zelda comme partie intégrante de l'aventure des The Legend of Zelda? Oui et non. Selon moi, oui et non. Non dans le sens que ben on est dans un style de jeu qui n'est pas du tout celui qui est approprié à Link et aux The Legend of Zelda, hein, donc on n'a pas un univers totalement ouvert
dans lequel on peut évoluer, visiter des villages, faire plein de trucs comme dans Ocarina of Time, Majora's Mask, etc. Et oui, dans un sens où je trouve l'histoire bien ficelée, je trouve l'histoire intéressante. Cette idée d'ouvrir les différents passages dans le temps était une très très bonne idée que je pense qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus. Donc notamment, pourquoi pas faire entrer en scène le Link de Skyward Sword, le Link de Twilight Princess, etc. Ça aurait pu faire un truc vachement sympa, vachement rigolo. Je pense qu'il y avait Enfin, c'est une ébauche. J'ai l'impression que c'est une ébauche d'une idée qui n'a pas été poussée jusqu'au bout, peut-être parce qu'ils avaient peur d'en faire trop, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais trouvé ça vachement rigolo et vachement intéressant, du coup, puisqu'on a Darunia... Midona, tout ça, de faire intervenir le Link, la Zelda et le Ganondorf, pourquoi pas, de chacun de chacune de ces périodes en fait. Ça aurait pu être vraiment très 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 intéressant de jouer là-dessus. Ouais. Fin. Donc voilà, ça reste un très bon jeu. Je me suis énormément amusée et je m'amuse encore parce que je recommence les mondes hein, pour pouvoir monter au maximum tous les personnages du jeu et leur avoir tous les badges. Je vous recommande de l'acheter. Je pense que vous aurez quand même beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Les designs sont magnifiques. Les cinématiques sont aussi superbes. Ah voilà, le jeu, enfin la version héroïque du coup. Et deuxième Sculptulador pour chaque monde. D'accord, c'est cool. Donc oui, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué, hein, rien que pour les cinématiques, le design. J'ai vu que beaucoup de personnes se plaignaient, entre guillemets, que les attaques étaient assez pauvres, ce que je ne trouve absolument pas vrai. Je trouve personnellement que les attaques sont très variées en fonction du personnage, parce que j'ai joué un petit peu Zelda pour essayer, et même Zelda est extrêmement puissante, c'est un truc de malade et c'est vraiment trop agréable à jouer. Donc je pense qu'il y a énormément de bons points sur ce jeu, comme il y en a des mauvais, qui est notamment celui de devoir poutrer bien entendu énormément d'ennemis sur la totalité des mondes, donc c'est très répétitif. Au niveau des cinématiques, je reproche éventuellement que Ganondorf, vu qu'on jouait Ganondorf, pourquoi ne pas pousser le vice entre guillemets jusqu'au bout et pourquoi ne pas lui avoir accordé des cinématiques beaucoup plus importantes, dans le sens que quand on a pris Ganondorf pour la première fois et qu'on est allé sur la plaine d'Hyrule et qu'on a affronté Link et Zelda, je pense sincèrement que Ganondorf aurait bien mérité une ou deux cinématiques montrant qu'il parvenait à battre Link et Zelda pour leur voler les fragments de la Triforce. Pareil pour Lana. Là c'est pareil, j'ai l'impression que c'est une ébauche en fait. Ils ont permis à ceux qui aiment Ganondorf de jouer Ganondorf et de jouer le côté sombre entre guillemets du jeu, et pourtant ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont pas mis trop de cinématiques en rapport avec Ganondorf, ils l'ont pas mis en avant comme il aurait, je pense, dû l'être, vu qu'on pouvait le jouer. Pareil, la cinématique de fin, elle était bien, mais je pense qu'il manquait quand même un petit peu... un petit quelque chose. J'aurais bien vu un petit moment du combat entre Ganondorf et Link avant d'arriver au moment où il récupère la Triforce. Sinon, ce qu'il y a de très bien, bah, bien sûr, c'est la totalité des personnages que l'on peut jouer. Hein, vous remarquerez que là d'ailleurs il y a 1, 2, 3, 4, j'ai encore 4 personnages que je peux débloquer, dont Giraim et Xanto, je pense. Et ça c'est cool, c'est vraiment cool de permettre aux joueurs de jouer une palette de personnages aussi diversifiés. Donc c'est un jeu qui a une durée de vie énorme, je trouve, parce que le temps que vous parveniez à faire la totalité des badges pour tout le monde, vous en avez pour un moment, donc il faut recommencer la totalité des mondes, et puis aussi si vous voulez faire monter les personnages au niveau 200, ça pareil, vous en avez aussi pour un petit moment. Donc c'est un bon jeu. Je reste sur, euh,
sur mon idée. Je trouve que c'est un très bon jeu. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je vous recommande de le prendre si vous pouvez. C'est une belle aventure. On revoit plein de monde qu'on a connu dans les différents Zelda, et c'est ça aussi, c'est un plus qui m'a fait chaud au cœur de revoir tous ces mondes et de les explorer différemment. De revoir des personnages aussi qui nous aident durant cette aventure. Bref, c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. C'était une bonne idée de la part de Shigeru Miyamoto, je pense, de proposer ce gameplay et cette collaboration avec Temco, ou je sais plus, qui fait les Dynasty Warriors, pour créer ce nouveau jeu en attendant que le nouveau jeu Zelda sur Wii sorte. Hein, je crois qu'il a été annoncé pour printemps 2015, il me semble. Et donc en attendant, ben, vous pouvez jouer à Hyrule Warriors ou vous amuser avec Majora's Mask qui est sorti il n'y a pas très longtemps avant de pouvoir jouer au tout nouveau Zelda qui sera le The Legend of Zelda Wii U. Hein, j'attends beaucoup de ce jeu, hein, l'univers a l'air très ouvert, donc j'espère qu'ils vont réussir à combler la plupart de nos attentes. Même si je vous avouerai que moi, en ce qui concerne les The Legend of Zelda, je ne suis pas très difficile, je le répète. Si on ne fait pas un truc comme ce qui était sorti sur je ne sais plus quoi, la DSi, avec un truc complètement débile, Wand of Ganon ou les trucs comme ça, du temps que c'est pas des trucs comme ça, en général, je ne suis pas très difficile parce que ça me fait toujours plaisir de voir Link dans de nouvelles aventures et de pouvoir être à ses côtés pour vivre tout ça. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le DLC avec Sia, pour voir un petit peu ce qui s'est passé de son côté et du coup terminer, j'espère, ensemble complètement les mondes. Et je vous proposerai aussi une vidéo donc avec tous les personnages disponibles et jouables pour que vous puissiez voir un petit peu les costumes, les attaques, tout ça. En attendant, la véritable aventure sur Hyrule Warriors est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu de faire ça avec moi. Je compte sur vous pour lâcher un like, des commentaires et partager la vidéo. Et du coup, on verra pour un prochain Zelda. Mais en attendant, les prochaines vidéos qui sortiront, donc la suite pour le DLC, mais aussi The Crooked Man, pour lequel je suis sûre que vous allez bien vous éclater. Voilà, c'était Japan Zelda, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao les !